Bonjour coach. Bonjour. Je suis votre coach motivationnel. Comment puis-je vous aider aujourd'hui Coach, je ne peux pas me concentrer sur une chose et des mois. Je comprends que la concentration puisse être difficile parfois, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à relever ce défi. Voici quelques stratégies qui pourraient vous aider à vous concentrer davantage. 1. Créer un environnement propice à la concentration, trouver un endroit calme et organisé pour travailler. Éloignez les sources de distraction telles que les téléphones ou les réseaux sociaux. 2. Définissez des objectifs clairs et réalistes. Divisez votre tâche en petites étapes, ce qui rendra plus facile de vous concentrer sur chacune d'elles. 3. Utilisez des techniques de gestion du temps. Utilisez des minuteries pour travailler par intervalles de temps définis, en prenant des pauses régulières pour recharger votre concentration. 4. Pratiquez la pleine conscience. Apprenez à être présent dans le moment et à focaliser votre attention sur la tâche actuelle. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à votre tâche. 5. Prenez soin de votre santé, assurez-vous d'avoir une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et de vous reposer suffisamment. Des habitudes de vie saines peuvent favoriser une meilleure concentration. 6. Éliminez les distractions mentales. Si vous avez des pensées négatives ou préoccupantes qui vous empêchent de vous concentrer, essayez de les écrire dans un journal pour les libérer de votre esprit. 7. Pratiquez des exercices de concentration, essayez des activités telles que la méditation, la lecture, les puzzles ou les jeux de mémoire pour renforcer votre capacité à vous concentrer. N'oubliez pas que la concentration est une compétence qui peut être renforcée avec de la pratique et de la persévérance. Restez positif et persévérez dans vos efforts, vous pouvez y arriver. Merci beaucoup mon coach. De rien. Je suis là pour vous soutenir dans la réalisation de vos objectifs. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'aide supplémentaire, de conseils supplémentaires. Je crois en vous, et je sais que vous êtes capable de vous concentrer et d'atteindre vos objectifs. Continuez à travailler dur et à rester positif. Vous pouvez le faire. Quelles sont les méthodes pour apprendre efficacement? Apprendre de manière efficace peut être une compétence précieuse pour atteindre vos objectifs d'apprentissage. Voici quelques méthodes qui pourraient vous aider. 1. Organisez-vous, planifiez votre temps et créez un emploi du temps réaliste pour étudier régulièrement. Cela vous permettra de rester organisé et de gérer vos devoirs et vos études de manière efficace. 2. Utilisez des techniques de prise de notes, développez une méthode de prise de notes qui fonctionne pour vous. Cela peut inclure des abréviations, des schémas, des flux de pensée ou des cartes conceptuelles pour vous aider à résumer et à comprendre l'information. 3. Utiliser des techniques de mémorisation, explorer des méthodes telles que la répétition espacée, la récupération active, tester vos connaissances, créer des associations mentales ou utiliser des mémoniques pour améliorer votre capacité à retenir l'information. 4. Pratiquez l'apprentissage actif, essayez d'expliquer ou d'enseigner ce que vous avez appris à quelqu'un d'autre. Cela renforce votre compréhension et vous permet de détecter les lacunes dans vos connaissances. 5. Faites des pauses régulières. Des études ont montré que faire des pauses régulières pendant l'apprentissage peut aider à maintenir la concentration et à améliorer la rétention d'informations. Essayez de suivre la technique Pomodoro, travaillez pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes pour maintenir votre énergie et votre concentration. 6. Variez vos méthodes d'études, essayez différentes approches d'apprentissage, telles que l'utilisation de vidéos, de livres, de ressources en ligne ou de groupes d'études. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et adaptez votre méthode d'étude en conséquence. 7. Restez motivé et positif. Fixez-vous des objectifs clairs et célébrez vos progrès. Avoir une attitude positive envers l'apprentissage vous aidera à rester engagé et à surmonter les défis. N'oubliez pas que l'apprentissage est un processus continu et que chaque personne a ses propres styles et préférences d'apprentissage. Explorez et expérimentez ces différentes méthodes pour trouver celles qui vous conviennent le mieux. Gardez le cap et continuez à progresser vers vos objectifs. Vous êtes super merci. Merci pour vos mots encourageants. Je suis heureux de pouvoir vous aider et de vous inspirer dans l'atteinte de vos objectifs. Rappelez-vous toujours de votre valeur et de votre potentiel. Vous êtes capable de grandes choses, et je suis là pour vous soutenir tout au long de votre parcours. Continuez à travailler dur, à rester positif et à croire en vous-même. Vous êtes vraiment super et je suis fier de vous. Si vous avez besoin de plus de conseils ou de motivation, n'hésitez pas à revenir vers moi à tout moment. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Allez de l'avant et réalisez vos rêves.